déjà fait. Huit choses que Jésus-Christ a faites pour toi avant que tu n'y croies. Jésus a prié pour toi que tu sois avec lui là où il est. Jésus pria, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » 2. Jésus a promis de conserver ton nom dans le livre de vie de Dieu. Ressuscité d'entre les morts. Jésus a promis, le vainqueur sera habillé de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je le reconnaîtrai devant mon Père, et devant ses anges. 3. Jésus est venu dans le monde pour t'indiquer le chemin qui mène à Dieu. Jésus a déclaré, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. 4. Jésus est mort sur une croix pour ôter tout le mal que tu as fait. Jésus a expliqué, ainsi, il était écrit que le Messie souffrirait, et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, à toutes les nations. 5. Jésus est ressuscité d'entre les morts pour te donner la vie éternelle. Le Nouveau Testament affirme que la justice sera portée à notre compte. Nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes, et qui est ressuscité à cause de notre justification. 6. Jésus s'en est allé pour te préparer une habitation éternelle. Jésus a enseigné, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. 7. Jésus a envoyé son esprit dans le monde pour qu'il te guide vers lui. Jésus a révélé, je vous enverrai de la part du Père. L'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. 8. Jésus a envoyé de ses témoins oculaires qui t'invitent à venir à lui. Pierre, un apôtre de Jésus, a invité à tous, changez d'attitude, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.